Tonus matinal. Tonus matinal. Nous nous réveillons, nous veillons sur votre vie. Et en 26 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès. Tonus matinal. Tous orientés vers le meilleur avec le coach Patrick Amapoyan. Chers parents, présents et futurs, princesses et princes, bonjour et merci de continuer jusqu'à réussir. Il suffit d'observer autour de nous pour constater que les meilleurs à l'école, les meilleurs dans les religions, les meilleurs dans les règles établies aboutissent à une précarité de l'emploi, à des problèmes sérieux de couple, etc. Quel est le problème de notre société? Quoi faire pour que les enfants d'aujourd'hui soient les réussites de demain? Voilà la préoccupation, l'équation que compte résoudre l'émission du jour avec le professeur émérite en coaching intégral, le coach Patrick Armand-Pouillon. La réussite de nos enfants, c'est ici et maintenant et c'est tout de suite après ceci, depuis le studio Augustine Anenato de Lomé. Voulez-vous être un meilleur patron, un meilleur leader? C'est le moment de le devenir. Chef d'entreprise, père ou mère de famille, dirigeant à divers niveaux, le patron et leader coach Patrick Amapoyan, à travers la licence en leadership et patronat, vous offre la possibilité d'être le meilleur des leaders à partir du 5 mai 2021 en classe Telegram. Depuis le confort de votre maison, en 21 jours, découvrez les 5 niveaux de leadership, les 4 compétences qui caractérisent le leader, les 13 qualités des patrons leaders et bien d'autres. Conditions de participation, 225 000 francs. Infoline, 229 60 95 91 91 228 91 91 14 15. On n'est pas leader, mais on le devient à travers la formation. Coach Poyon, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le jour de 3 merveilleux ambassadeurs du développement. Il s'agit de Goa Agnès de la Guinée, elle est gestionnaire comptable. Viagbo Eyonam du Togo, il est directeur d'une coopérative d'épargne et de crédit. Et Bossa Maouyon Valère du Bénin, il est professeur certifié de physique, chimie et technologie. Quel est le degré du coach Poyon pour vous? D'abord, leur dire que je les aime. Je les aime particulièrement. Vous savez, j'ai passé un moment avec un ambassadeur de développement et je discutais avec cet ambassadeur de développement de la vie des ambassadeurs de développement. Et à la fin de la discussion, il m'a dit, pourquoi vous aimez autant les ambassadeurs de développement? J'ai dit, pourquoi je ne vais pas aimer autant des gens qui m'aiment autant, qui m'ont fait confiance, qui m'ont confié le coaching de leur vie. Pourquoi je ne veux pas les aimer? Bien au contraire, je trouve qu'ils ne m'utilisent pas suffisamment pour réussir leur vie. Bref, je vous aime. Je vous aime particulièrement. Mais Dieu qui m'a mis au monde, qui m'a créé, qui m'a conçu et qui m'a confié cette vision, vous aime aussi profondément. Et nous, les ambassadeurs de développement, nous vous aimons profondément. Tous ensemble, n'en doutez jamais. Et pour ce merveilleux jour dans votre vie, je voudrais décréter pour vous tous les bons. Je voudrais décréter pour vous un décollage fulgurant. Je voudrais décréter pour vous le sourire à tout va. Le sourire à tout moment. La joie à tout moment. En tout cas, célébrez-moi cette journée parce que vous vous souviendrez à jamais de cette journée. Rappelez-nous, c'est quoi le coaching? Ah, le coaching, comme je l'ai dit, c'est une approche de vie. C'est un positionnement, c'est une manière de vivre. Autrement dit, je décide que désormais, je vais fonctionner d'une manière donnée. Mm-hmm. C'est ça le coaching. Et donc, sur chaque domaine du coaching, nous avons les postulats de base. Je décide que je ne vais pas tomber malade. C'est une approche du coaching. C'est du coaching. Je décide que je ne tomberai pas malade. Je décide que je vais toujours avoir de l'argent. Je décide que je serai heureux en amour. Je décide que je serai heureux avec mes enfants. Je décide donc, je décide et je me positionne et agis dans ce sens. Vous savez, beaucoup de personnes me disent, coach, j'ai envie de réussir ma vie. Et je lui ai dit, c'est la même chose que quelqu'un qui veut boire du café. Il dit, mais c'est plus facile. Il dit, non, pour boire du café, il faut chauffer l'eau. Pour boire du café, il faut trouver le café. Il faut verser le café dans l'eau. Il faut patienter. Ensuite, si vous voulez ça sucré, il faut le sucrer. Il faut mettre du miel, du lait si vous voulez. Vous voyez, c'est un processus. De la même manière, lorsque je décide d'être heureux, de vivre, de bien vivre,
je décide, si je te lève le chemin du coaching, je vais étape par étape construire chaque palier de ma vie et avoir un bonheur absolu. Le coaching aborde-t-il les relations parents-enfants? Oui, c'est un domaine très important de la relation de coaching parce que si vous réussissez tout et vous ne réussissez pas la vie de vos enfants, cela pose problème. Je ne vais pas donner des exemples parce que ça va concerner certaines personnes qui vont avoir des moments douloureux. Si je donne des exemples de ce qu'un enfant mal coaché, mal éduqué peut devenir et faire subir à ses parents, vous allez constater que c'est vraiment dur. Donc bref, le coaching des enfants est un domaine très important dans le coaching. L'approche courante ne suffit-elle pas pour la réussite des enfants? Ah non! Vous savez, je vais vous donner quelques citations pour vous montrer que l'approche courante ne suffit pas. C'est Bill Gates qui disait qu'il a un camarade de classe, ils ont fréquenté ensemble. Lui, il a réussi à tous les examens. Lui, Bill Gates, n'a réussi à aucun examen. Et ce camarade travaille pour lui aujourd'hui. Ok. L'autre a réussi à tous les examens. Bill Gates n'a réussi à aucun examen. Et aujourd'hui, celui qui a réussi à tous les examens travaille pour Bill Gates. C'est pour dire que véritablement, c'est l'approche que nous avons mise en place. Il faut être premier en classe. Dans un livre, nous avons lu, et beaucoup de personnes ont lu avec moi, qu'une maman disait à son fils, travaille à l'école pour avoir de bons diplômes, afin d'avoir un bon emploi et réussir ta vie. Et l'enfant qui demande à la maman, tu as travaillé à l'école, la maman dit, tu sais, les bulletins sont là, je peux te sortir ça. Tu as un bon diplôme, oui, je suis expert comptable. Ok, tu as un bon emploi, oui, j'ai mon cabinet. Il dit, maintenant maman, dis-moi, à combien on peut chiffrer tes dettes? La maman ne pouvait pas parler. Effectivement, elle était surendettée. Elle dit, je suis ma maman et tu vas décider pour moi. Mais décide un chemin qui ne me donne pas de finir endetté. Les amis, regardons notre vie. Regardons notre vie. Pour ceux qui font du coaching, regardons notre vie avant de commencer le coaching. C'est un échec cuisant à tout point de vue. Nous avons échoué en matière de santé. Nous sommes avec des sachets de médicaments partout, en train de se trimballer avec. Nous avons échoué en matière de vie de couple. Regardez ce qu'on a comme vie de couple. Nous avons échoué en termes d'éducation de nos enfants. Regardez ce qu'on en a fait. Des enfants de 50 ans qui n'ont pas trouvé mari. Des enfants de ceci. C'est ce que nous avons fait. En collaboration avec l'école, en collaboration avec la religion, nous avons détruit la vie de nos enfants. Voilà ce que nous avons fait. Bref, si l'expérience courante permet de réussir, trouvez-moi parmi les 1000 hommes qui ont réussi au monde, ceux qui ont respecté le système courant mis en place. Aucun de ceux qui ont respecté le système courant mis en place, aller à l'école, avoir de, être premier tout le temps, avoir de bons diplômes, respecter les prescriptions de la religion, respecter les ceci et tout ça, trouvez-moi une seule personne qui a respecté ça et qui a réussi sa vie. Et vous, là, nous allons discuter de la possibilité de continuer le système en bien. Que propose alors le coaching? Le coaching propose que nous changeons radicalement d'approche. Tous ces systèmes dont j'ai parlé, l'école, la religion et tout, a mis un système de commandement et de contrôle. On impose les règles et on contrôle si l'enfant respecte les règles. Mais le problème, c'est que qui parmi nous a suivi ces règles et a réussi? Donc, les règles que nous mettons ne sont que des essais. Bref, l'approche du coaching consiste à faire confiance à l'enfant, à faire confiance à Dieu en l'enfant et à rappeler tous les jours à l'enfant notre confiance en lui, à le regarder comme une réussite. Cela se base sur les travaux de Rosenthal qui a démontré que si vous trompez un enseignant en lui faisant croire qu'un enfant est intelligent et doué, il vous fera de cet enfant intelligent et doué parce qu'il va le regarder comme un intelligent et doué. Il va lui parler comme un intelligent et doué. Mais si vous lui dites qu'un enfant intelligent et doué est taré, il va vous en faire un taré. Parce qu'il va le regarder comme un taré, il va lui parler comme un taré. Autrement dit, l'enfant qui travaille à l'école travaille parce que les parents le regardent comme une réussite. L'enfant qui ne travaille pas à l'école ne travaille pas à l'école parce que les parents le regardent comme un échec. Autrement dit, le coaching dit, un enfant qui réussit, c'est dans le regard de ses parents qu'est partie la réussite ou l'échec. Un enfant qui échoue, c'est dans le regard de ses parents. Alors, quand nous voulons nous plaindre du résultat de l'enfant, commençons par vérifier, est-ce que nous ne sommes pas la cause de l'échec de cet enfant?
Est-ce que ce n'est pas nous qui cassons la réussite de l'enfant? Voilà ce que le coaching dit. Et c'est pourquoi je demande à tous les coachs du monde de s'aider, d'aider les parents à changer et non fléchir chaque fois qu'un parent vient se plaindre. Les enfants sont ce que nous en avons fait. Je ne fais pas confiance à mes enfants pour réussir. Je fais confiance à mon regard sur eux pour les faire réussir. Je sais que tous mes enfants vont réussir. Et quand je parle de tous mes enfants, je parle des enfants que j'ai eus naturellement et biologiquement. Mais je parle de tous ces enfants qui m'écoutent et qui appliquent ce que je dis. Le coaching. Le coaching. Identifié aux États-Unis d'Amérique dans les années 70, implanté en Afrique depuis la nuit des temps, il est de plus en plus révélé au travers du monde. Établi comme une science, il bouscule l'ordre préétabli et plus précisément dans les 9 domaines de la vie de l'homme. Désormais, plus rien de bien ne se fait sans le coaching intégral. En licence, on décrypte le développement personnel, les 10 pouvoirs du développement personnel, les fondamentaux et l'exercice du métier de coach. En Master 1, on voit le voyage vers soi, les 9 domaines du coaching intégral, on approfondit les notions du coaching intégral. Le Master 2 constitue la phase théorique du doctorat en coaching intégral. En doctorat, on produit une thèse comprenant au moins 3 articles scientifiques dûment approuvés par le comité scientifique. Plusieurs conditions et démarches s'ensuivent pour atteindre les différents grades de professeur junior, professeur titulaire et de professeur émérite, l'ultime grade en coaching intégral. Oui, c'est bien possible. La révolution est en marche. C'est une avancée considérable pour l'Afrique et le monde. À sa tête, un digne fils de l'Afrique, le seul professeur émérite en coaching et développement intégral jusqu'à ce jour. Créateur et révélateur du coaching intégral, Patrick Armand Pognon. Vous devez être coach. Vous devez réécrire l'histoire. C'est maintenant. C'est tout de suite. Never give up. N'abandonne jamais. Voulez-vous dire que je vais me mentir en regardant un enfant qui est en train d'échouer comme une réussite? Vous savez, au fait, il s'agit de quoi? La parole de Dieu dit que le faible dit « je suis fort ». Au fait, il est faible parce qu'il est. Il dit « je suis faible ». Il faut qu'il commence par dire « je suis fort » pour pouvoir intégrer « je suis fort » et être fort. Je vais vous donner un exemple. Vous allez constater que les ambassadeurs et développeurs au travers du monde brillent, rayonnent. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que tous les jours, je leur dis que je les aime. Tous les jours, je leur dis que je leur fais confiance. En fait, c'est que nous avons été tellement matérialisés que nous voyons tout en matériel. Mais la dynamique mentale est plus importante que tout. L'esprit commande le corps. Un enfant à qui vous développez de la confiance va réussir. Je vais vous donner un exemple. Lorsque votre enfant a voulu marcher et qu'il est tombé, il n'a pas pu marcher, est-ce que vous êtes allé chercher un kinésithérapeute pour l'aider à marcher? La réponse est non. Quand votre enfant a mangé et a lavé son habit, êtes-vous allé chercher un nutritionniste pour lui apprendre à manger? La réponse est non. Quand votre enfant a voulu parler et n'a pas pu dire les choses, êtes-vous allé chercher un orthopédiste pour venir lui apprendre à parler? La réponse est non. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez regardé, vous avez souri. Vous avez montré la confiance que vous avez en lui pour réussir à manger, pour réussir à parler, pour réussir à marcher. Et au finish, l'a-t-il fait, oui ou non? Oui. Alors pourquoi quand il a une mauvaise note qui symbolise un enfant qui tombe, pourquoi vous ne pouvez pas le regarder avec confiance? Pourquoi vous ne pouvez pas lui sourire de la même manière? Pourquoi vous ne pouvez pas le voir comme vous l'avez vu et il a marché? Comme vous l'avez vu, il a parlé? Quand vous l'avez vu, il a... C'est aussi simple que ça. C'est très important de dire à l'enfant, je t'aime, je crois en toi et je sais que tu vas y arriver. Je sais que tu vas réussir. Vous savez, beaucoup de parents de l'école du coaching, lorsqu'ils nous s'adressent à nous, ils balayent rapidement d'un revers de main
l'enfant ne tombe plus malade. Mm-hmm. Il balaie rapidement de revers de main, l'enfant a une forte maturité. Il balaie rapidement de revers de main, l'enfant a un comportement correct. Mais en même temps, il va dire maintenant haut et fort, mais il n'y a pas de grande moyenne. Je voudrais dire aux parents, un jour, une dame rentre à la maison, voit une lettre de sa fille de 13 ans. La lettre dit ceci, « Ma chère maman, j'ai dû partir avec l'homme que j'aime. Malgré mes 13 ans et ses 50 ans, nous nous aimons. Je prie Dieu que l'enfant qui est dans mon ventre n'ait pas le sida qui est dans son corps. J'ai eu l'occasion de prendre la drogue avec lui et j'ai tellement aimé que je prie Dieu que tu aies l'occasion de prendre un jour. » Les amis, vous imaginez l'état de la maman. Maintenant, la lettre continue. « Ma chère maman, je n'ai voyagé avec personne. Je suis dans la maison d'à côté. Je n'ai jamais fait l'amour dans ma vie pour pouvoir tomber enceinte. J'ai jamais goûté à cigarette, à plus forte raison prendre la drogue. Mais je voulais que tu saches qu'il y a quelque chose de plus grave que les 6 de moyenne que j'ai déposé sur ta table. La maman court, va prendre son enfant dans sa main. Tu peux avoir 0 de moyenne. Les amis, il faut que vous compreniez. Le plus important, ce n'est pas le rang de premier que vous voulez, pas égo. C'est juste égo. Hein. Je dois dire à tout le monde que mon enfant est premier. C'est tout. Je dois dire à tout le monde que mon enfant est premier. Et certains disent même la moyenne ne me gêne pas, c'est le rang qui me gêne. Les amis, écoutez bien. Le plus important, pourquoi nos enfants vont à l'école? Ils vont à l'école pour réussir leur vie. Est-ce que leur cheminement leur garantit la réussite de leur vie? C'est ça le plus important. Si on n'a pas compris ça, on fait de la sorcellerie nouvelle formule. C'est la sorcellerie des temps modernes que de casser la réussite d'un enfant en ne faisant pas exactement ce que nous avons fait pour que l'enfant puisse marcher, manger et parler. Coach Pognon, avez-vous toujours été un bon parent? Je n'ai pas été parent pendant longtemps. Ce n'est pas que j'ai été mauvais parent ou bon parent. Pendant longtemps, je n'ai pas été parent. Coralie est née, elle avait à peine 2 ans quand j'ai disparu. Ensuite, Néma avait à peine 2 ans ou 3 ans quand j'ai disparu encore. Et donc, vous comprenez, pendant longtemps, je n'ai pas été parent. Donc, je ne sais pas si c'est plus grave que d'avoir été mauvais parent, mais je n'étais pas là. Mais depuis quelques années, grâce au coaching, j'ai compris comment être parent pour mes enfants. Ce qui fait que vous rencontrez n'importe lequel de mes enfants, ils vous parlent avec assurance. Ils vous parlent avec une intelligence hors norme. Ils vous disent des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Mes enfants de à peine 7 ans, 5 ans, 4 ans et demi peuvent vous faire le tonus aujourd'hui. Et quand je parle de mes enfants au sens large, à 5 ans, à 8 ans, à 7 ans, à 10 ans, ils sont capables de vous faire le tonus, quel que soit l'enfant du coach Pognon dans le monde. Donc bref, aujourd'hui, je suis de plus en plus un bon parent. Je crois en mes enfants, je leur donne de l'amour, je leur donne de la reconnaissance, je leur donne de la foi. Et quand je me rends compte qu'ils veulent leur comporter mal, je leur rappelle que qui ils sont est tellement important qu'ils ne peuvent pas tomber dans ça. Ils sont trop importants pour faire ce genre d'erreur. Et ils se rendent compte qu'effectivement, ils sont trop importants pour faire ce genre d'erreur. Je suis aujourd'hui, grâce au coaching, un bon papa pour tous mes enfants dans le monde. Et vous, avez-vous eu de bons parents? Je n'ai pas été à la maison souvent pour voir ma maman. C'est après que j'ai analysé et j'ai vu qu'effectivement, elle a été une bonne maman. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est mon plus que père, Bernard Pognon, qui avait toujours confiance en moi. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'ai pris la voiture de ma soeur et je suis sorti. Je n'avais pas de permis. Ma soeur a pris le téléphone et a appelé papa pour se plaindre. Voilà la réponse qu'il a donnée. Prends-lui un permis et ça change tout. Et tout le monde disait qu'il me supporte à tous les coups. Il dit non. Chaque fois qu'il me promet quelque chose, il le fait. J'ai confiance en lui. Quand j'étais en classe de 6e, j'ai redoublé parce que jusqu'en 6e, moi, je ne savais pas pourquoi j'allais à l'école. Mais j'ai redoublé et mes amis passaient en 5e. Alors j'ai dit à papa, maintenant je sais pourquoi je dois travailler. Laisse-moi aller en 5e et plus jamais je ne vais redoubler, je ne vais échouer. Il a refusé. Et j'ai repris la 6e, j'ai écrasé tout le monde. Il a regretté après. Et tout le temps maintenant, il m'a toujours fait confiance. Je vais vous donner un exemple. Et ça va édifier les parents. La veille du BPC, j'étais devant le portail de mon papa, en train de jouer à la belote jusqu'à 2h du matin. Il est venu. Je lui ai ouvert le portail. Il a fait entrer sa voiture. Et il m'a souhaité bonne nuit. Il a fermé, il est allé dormir. Est-ce un bon papa ou un mauvais papa? On va me dire que c'est un mauvais papa. Mais je vais vous dire ce que ça a causé.
j'ai échoué au BPC et je suis revenu lui dire que j'ai échoué. Et il m'a demandé, tu croyais que tu allais réussir? Ça m'a tellement fâché que je lui ai promis que plus jamais je ne serai deuxième dans ma vie. Et je n'ai plus jamais été deuxième dans ma vie. S'il avait parlé le soir là, tout était déjà gâté. J'étais déjà là, il est déjà 2h du matin. Donc dans tous les cas, je vais échouer. Donc s'il parle le jour là, je dirais que c'est lui qui m'a apporté la poisse. La malchance. Et je lui aurais mis ça sur le dos. Je n'aurais pas vu ma responsabilité. Il m'a laissé assumer. Il m'a laissé, il m'a toujours fait confiance. Alors ça m'a fait réussir. Je lui ai dit un jour, à 29 ans, tu seras obligé de dire que tu es le père de Patrick Armand Poyon pour qu'on puisse te connaître. Il a dit, c'est pas possible. Je suis trop célèbre pour que ce soit toi qui me permette de faire chose là. Mais quand j'avais 29 ans, la plupart de ceux qui le connaissaient sont vieux ou morts. Donc les jeunes, c'est moi qu'on connaît. Donc il faut dire qu'il est mon père. Donc bref, il m'a toujours fait confiance. Je voudrais profiter pour dire merci à papa, merci à maman pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Merci à mes soeurs, merci à tout le monde et surtout à chacun de pouvoir témoigner sa gratitude à ses parents. Que bon ou mauvais coaching, ils nous ont permis d'être là. Et aujourd'hui, nous avons du coaching. Soyons de bien meilleurs parents pour nos enfants. Quel conseil aux parents, justement? Je voudrais simplement dire à tous les parents qui m'écoutent, le coaching n'est pas fait pour apprendre et se bomber le torse. Pour jouer, je connais. Le coaching est fait pour être appliqué. Et dans tous les domaines du coaching, celui qui comprend les postulats et qui les utilise, réussit sa vie à tous les coups. Aimez vos enfants, croyez en vos enfants et surtout, tous les matins, dites-leur que vous les aimez. Dites-leur que vous croyez en eux. Le processus peut être long, mais je vous garantis qu'au finish, ils seront une réussite totale dans tous les points, dans tous les domaines. À vous de jouer, à vous de changer pour que vos enfants réussissent. Demain démarre la licence en leadership et patronat. Dites-nous, pourquoi faire cette formation? Ah, pour déjà être un bon papa. Mm-hmm. Pour déjà être un bon papa. Pour être un bon exemple. Aujourd'hui, mes enfants voient comment je traite mes collaborateurs. Ça veut dire qu'ils traiteront leurs collaborateurs de la même manière. Aujourd'hui, mes enfants voient comment je prends des décisions. Ils prendront des décisions de la même manière. Nous devons être des leaders. C'est un leader qui fait des gens qui réussissent. Et à côté d'un leader, on se sent important. Alors, soyons des leaders pour que nos enfants se sentent importants à nos côtés. Pour que notre conjoint se sente important à notre côté. Que nos collaborateurs se sentent importants à nos côtés. Ne soyons pas de faux leaders pour écraser les autres. Soyons un exemple de leadership. De toutes les façons, je promets de donner le maximum de moi-même. Parce que moi-même, j'ai besoin que mes collaborateurs soient de bons leaders. Et donc, je donnerai le tout. Je donnerai tout le paquet, je donnerai tout ce que je connais pour que oui, véritablement, le temps de leadership dans notre vie, dans notre association et en Afrique et dans le monde puisse commencer maintenant. Soyons des leaders et surtout de bons patrons qui font gagner leur équipe. Mon mot de fait, c'est de dire à chacun et tous, je n'ai pas fait un tonus comme d'habitude avec beaucoup de humour et tout ça parce que le sujet me paraît très sérieux. Réussir l'éducation de nos enfants est une chose essentielle. Et je vois beaucoup de collaborateurs en train d'abandonner le coaching dans l'éducation de leurs enfants pour revenir à ces principes dépassés. On n'est plus au temps du commandement et du contrôle. Nous sommes au temps du coaching. Crois en l'enfant. Dis à l'enfant qu'on y croit. Et surtout, mettez dans vos salons des phrases, des tableaux qui disent « J'ai les meilleurs enfants du monde. Mes enfants sont une réussite. » Et laissez ces tableaux produire leurs effets et vous gagnerez tout. Le coaching est la meilleure solution pour tout gagner dans la vie. Merci, coach. Merci. Africa Coaching Web TV vous remercie pour votre attention. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour contribuer aussi à la transformation positive de l'Afrique.